Guten Abend. Nous sommes très heureux de vous accueillir au Panthéon ce soir pour ce concert de l'orchestre Demos franco-allemand des jeunes, une formation qui a été constituée à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée et qui est dirigée par Anna-Sophie Brüning. Le concert est retransmis en direct sur Arte Concert et sur le site de la Philharmonie. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer Madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Bonsoir, mesdames et messieurs les ministres, madame le plénipotentiaire pour la relation culturelle franco-allemande, madame la maire du 5e arrondissement de Paris, chers amis, on va se tenir chaud tous ensemble et la musique va nous tenir chaud. Aujourd'hui, nous sommes réunis à l'occasion des 60 ans du traité d'amitié franco-allemand, que nous appelons tous traité de l'Élysée. L'amitié franco-allemande que certains peuvent trouver peut-être démodée ou que d'autres prennent pour acquise sans trop s'en soucier, est au contraire le ciment de l'Union européenne, sans doute la plus belle histoire humaine de l'après-guerre. À l'heure où les canons jouent leur funeste partition si près de nos frontières et fauchent des vies européennes, cet anniversaire est pour moi une lumière qui doit guider nos pas. Et c'est en musique que nous le célébrons ce soir, cet anniversaire, Français et Allemands réunis grâce à cette magnifique initiative de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, accompagné de la Philharmonie de Paris. Ils ont ensemble créé cet orchestre Demos franco-allemand qui rassemble les jeunesses de nos deux pays, prouvant une fois de plus la force de l'union et de la compréhension mutuelle pour dépasser nos différences et parfois nos rivalités. Ce soir, vous allez écouter 70 jeunes âgés de 10 à 17 ans, accompagnés sur scène par 10 musiciens professionnels et dirigés par la chef d'orchestre Anna-Sophie Brüning. Ils ont travaillé dans leurs régions respectives et toute la semaine ici à Paris pour nous offrir ce concert ce soir. Ils viennent de France, d'Allemagne ou d'autres pays du monde et ont trouvé refuge ici en Europe. Je voulais remercier très sincèrement Olivier Manteillet et les équipes de la Philharmonie, l'Académie Al-Farabi de Berlin, Hangar Musique, les orchestres d'Île-de-France et de région, Lille, Saint-Quentin, Metz, Mulhouse, Strasbourg et Clermont, les équipes d'Arte qui retransmettent en direct ce concert, et bien entendu Antalino et Tobias Butto, secrétaires généraux de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous avons voulu, avec mon homologue allemande ici présente, et je suis très heureuse de l'accueillir, chère Claudia, soutenir ce beau projet qui célèbre en musique l'intensité des 60 ans de coopération franco-allemande et qui montre, par ces jeunes musiciens, la volonté de l'inscrire dans l'avenir. Ma chère Claudia, je suis si heureuse de te laisser la parole ici, à Paris. À toi. J'ai fait court. Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu possible ce merveilleux moment. Mais c'est à vous, jeunes musiciennes et musiciens, que je tiens à adresser avant tout mes remerciements les plus chaleureux. Merci, merci de nous offrir ce concert. La musique crée des liens. Lorsque des jeunes comme vous font vibrer ensemble leurs instruments, l'Europe devient audible, devient visible dans toute sa force et sa diversité. Elle fait vibrer tous nos sens. Merci beaucoup pour ce moment exceptionnel. Pour moi, ce grand jour est un événement très particulier. En effet, mon père
voulait absolument faire des études de musique en France. Finalement, il a dû partir en France, pas de son plein gré, mais comme soldat. Toute sa vie, ce traumatisme l'a poursuivi. Pour mon père, la signature, il y a 60 ans, du traité de l'Élysée fut un moment extrêmement important et émouvant. Un traité signé malgré les crimes de l'occupation allemande, malgré les crimes contre l'humanité perpétrés par l'Allemagne nazie durant la Shoah. Il y a 60 ans, deux pays anciennement ennemis signaient un traité et devenaient partenaires. 60 ans plus tard, nous sommes devenus des amis proches. Et Rima et moi aussi, nous sommes devenus des amis proches. Ensemble, nous luttons pour l'intégration européenne, nous luttons pour la culture, nous luttons pour la démocratie, aussi attaquée aujourd'hui en Ukraine. La diversité des sociétés modernes est un aspect important d'une culture de démocratie vivante. Cette diversité est une grande richesse. Une richesse en faveur de laquelle Josephine Baker, qui a fait son entrée bien méritée au Panthéon, a lutté. Le remarquable projet Demos de la Philharmonie de Paris et les projets de Hangar Musik et Al-Farabi Musik Academy de Berlin incarnent à merveille le trésor qui représente la diversité de nos deux pays. Ce soir, ils rendent un hommage tout particulier à cette journée commémorative en nous offrant ce concert. Aux côtés de Josephine Baker, d'autres grandes personnalités françaises reposent également au Panthéon, comme Victor Hugo, écrivain, poète européen. Je le cite. « La musique exprime ce qui ne peut être dit et sur quoi il est impossible de rester silencieux. » C'est tout à fait ça. La musique est le langage que nous comprenons tous, qui écoutons avec le cœur. C'est dans cet esprit que je vous souhaite une excellente soirée et un grand plaisir d'écoute. Personnes âgées, des femmes et de la jeunesse. Sehr geehrte. Bonsoir. Sehr geehrte Frau Kulturministerin Malak. Chère Madame la Ministre Rima Abdul-Malak, cher Ministre Pape Ndiaye, chère Claudia Roth. Mon amour pour la France va très loin, mais par contre, mes connaissances de votre langue ne vont pas dans la même direction, c'est pour ça que je vais me prononcer en allemand. Cher musicien, chère musicienne, quand j'avais votre âge, j'ai chanté, j'ai essayé d'interpréter les chansons d'Edith Piaf, de Jane Birkin, et même si ce n'était pas toujours une très grande réussite à chaque fois, ça m'a quand même marqué. C'est une expérience que je partage avec beaucoup, beaucoup de personnes. On est effectivement très nombreux à se rappeler la musique qu'on a écoutée quand on était jeune. Un effet qui est encore plus grand quand on ne se contente pas d'écouter la musique, mais quand on va faire de la musique ensemble comme vous le faites. C'est une expérience extraordinaire que de réunir de nombreux sons différents pour en faire un grand ensemble. Et c'est ça, c'est là le point où la politique et la musique se rencontrent. L'Allemagne et la France l'ont réussi au cours des 60 dernières années. Des ennemis sont devenus le moteur de l'Union européenne. C'est un grand cadeau qui nous a été fait à nous tous, un cadeau qu'il faut absolument maintenir
l'Union européenne n'est pas du tout une évidence. Ces acquis peuvent se perdre. C'est pour ça qu'il faut parler ouvertement de tout ce qui ne marche pas, par exemple, et il faut réellement essayer de trouver des vraies solutions. Et je pense que quelque chose comme la musique peut nous aider à y réussir, car la musique peut, c'est prouver, rassurer, calmer, tranquilliser et stimuler en même temps. Je pense que c'est quelque chose dont nous avons besoin en politique. C'est pour cette raison, entre autres, que je suis vraiment ravie avec vous tous d'écouter ce magnifique concert. Merci beaucoup. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Mesdames les ministres, chère Claudia, chère Rima, chère Lisa, mesdames et messieurs, chers amis, chères musiciennes et musiciens de l'orchestre Demos franco-allemand. En achevant cette journée de célébration des 60 ans du traité de l'Élysée avec ce concert de jeunes musiciens, nous donnons le la pour l'avenir de la coopération et de l'amitié franco-allemande. Elle dépend, cette coopération et cette amitié, des jeunes d'aujourd'hui qui expérimentent l'Europe comme un espace linguistique et culturel, mais aussi comme un espace commun de formation et d'échange professionnel. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je suis donc très fier d'assister ce soir à ce concert. Insuffler à la jeunesse un désir de paix, le goût d'aller vers et chez l'autre pour entendre sa langue, partager d'autres vies, est d'autant plus pressant aujourd'hui que la guerre est à nouveau sur le territoire européen. Et la musique que va nous offrir dans un instant l'orchestre Demos franco-allemand va, je crois, encore plus loin dans l'idée d'échange, car, comme je l'ai entendu dire par un jeune musicien de l'orchestre, la musique rend possible de communiquer sans parler, quelle que soit sa langue. Je félicite donc très chaleureusement l'Office franco-allemand de la jeunesse, l'OFAJ, pour cette magnifique initiative, ainsi que la Philharmonie de Paris et le Centre des Monuments Nationaux qui ont rendu possible ce concert avec le soutien des ministères de la Culture allemand et français. Je voudrais à cette occasion souligner à quel point l'enseignement de la musique est essentiel pour les élèves de tous âges et de tous origines. L'enseignement de la musique, c'est l'intelligence de la beauté. Merci à vous aussi, chère Anne-Sophie Brüning, chère musicien de l'orchestre franco-allemand de Demos, de nous permettre de célébrer de cette manière l'amitié et l'avenir franco-allemand. Et puis, pour que votre musique prenne le relais de nos voix, eh bien, je vous invite, chers musiciens, à monter tous ensemble sur scène. Bon concert.
deux compositeurs français, Jean-Baptiste Lully et Jean-Philippe Hamon. Pas seulement en politique, le leadership peut parfois être dangereux, mais aussi dans les arts. Lully n'est pas seulement célèbre pour sa musique qu'il a composée en tant que compositeur en résidence de Louis XIV, mais aussi pour sa mort tragique. À cette époque, les chefs d'orchestre dirigeaient avec une baguette de 2 mètres, comme ça. Et le pauvre chef d'orchestre s'est blessé si gravement ses pieds qu'il est mort peu après. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir travailler seulement avec mes mains. Le deuxième morceau de Rameau est d'un de ses ballets opéra. Le morceau que vous avez entendu est une danse de la paix. Le morceau suivant est de Beethoven, composé quand il avait seulement 14 ans, comme la moitié de l'orchestre. Et on peut entendre à quel point son admiration pour Mozart était très très grande.
pas besoin d'explication, je crois. Johannes Brahms a écrit les danses hongroises à l'origine pour le piano et plus tard elles ont été arrangées pour l'orchestre. Le morceau suivant est de Jacques Offenbach de l'opéra comique La Belle Hélène. C'est un opéra avec plein de drôles de caractères et amusement. Et il y a Hélène, la plus belle femme de l'univers, est mariée à Ménélas, qui est un peu vieux et ennuyeux. Et Jeanne Paris arrive, déguisée comme une vergée, etc., etc., etc. Et à la fin, Hélène est enlevée, ce qui, comme nous le savons tous, est le début de la guerre de Troie. Le dernier morceau d'aujourd'hui est de Camille Saint-Saëns, tiré de son opéra Sanso et Dalila. L'histoire se déroule à Gaza. Et malheureusement, comme aujourd'hui, il y a la guerre. C'est une histoire très tragique. Mais on peut entendre comme Saint-Saëns a essayé d'enclure la langue musicale de cette part du monde dans sa musique. Dans son musique. Nous jouons pour vous le bacchanal, en fait, avec beaucoup de danse et de vin.